faut rendre l'eau accessible à la population et donner le plus possible quelque chose de potable. Parce qu'avant, il y avait problème d'eau potable. L'eau nous venait rougeâtre. Donc, avec Providence, l'eau nous vient très pure. Et sincèrement, c'est bienvenu. Le projet est bienvenu, nous a beaucoup allégé. Parce qu'on a installé au niveau des postes de santé, on a fait du ciblage. On a installé 6 postes de santé, 3 cases de tout petit et 9 écoles primaires. Donc, si vous allez dans chaque village au niveau de la commune de Diané, vous allez trouver un appareil de Providence déployé par MPA avec et ses partenaires. Donc, bon, au lieu d'aller acheter tout le temps, bon, financièrement, ça a allégé notre poche. En fait, ce projet a changé le comportement des populations en matière de consommation d'eau potable. Parce qu'autant, ils utilisaient de l'eau brute qui nous vient directement du puits ou bien du forage. À partir de l'installation de l'unité de MPA, ils ont pu constater qu'il y a une grande différence entre l'eau brute et l'eau traitée par l'unité de Providence. Ce projet a contribué à la conscientisation des populations de consommer une eau potable.